Là, nous avons une phase outil là. Ok? Nous allons présenter nous les outils que nous avons besoin pour nous faire métier réfrigération et climatisation. Ok? Là, à qui ça m'a commencé? Et les outils ça que nous là, ça c'est essentiel que nous mais c'est pas ça, c'est pas tous les outils honnêtes qui là. Ok? Ça c'est quelques outils essentiels parce que réfrigération grand pile outils qui ont besoin pour capable et faire métier. OK, ça c'est essentiel qui est. OK, juste avant que nous commencer et n'a commencer avec ça relé un multitesteur. OK, un multitesteur ou bien nous capable relé un multimètre. Ça c'est un outil extrêmement important. Côté que ou pas qu'à commencer sans outil ça. OK, nani? Ça c'est un multitesteur. Mais gien l'autre encore qui ou capable gien besoin qui c'est multitesteur à pèse en probe ou bien pèse en paramétrique. Ça c'est pas ça c'est simple en lui-même. OK? Mais ça a besoin ou capable acheter un multitesteur à pèse en paramétrique. OK? N'a présente un deuxième outil encore qui c'est torche. Torche ta li même li permet tout effectuer des soudures. OK, dans réfrigération nous des soudures. OK, parce que l'eau fin coupé tu aura faut pour ca braser en torche. On a besoin yon map gaz propane. Ça c'est yon map gaz propane, les mêmes nous chauffer à 3600 degrés Fahrenheit. OK, ça c'est yon map gaz propane. On a besoin yon pince universelle. Pince ça les mêmes, li permet tout l'offre une coupe tuyau, c'est avec ou à pencher ou capable dénuder ensemble avec tout. OK, on a besoin pince universelle, on a besoin yon tournevis plat, on a besoin yon tournevis étoile. On a besoin yon pince long nose ou bien tout nous capable reler yon pince bec long, pince à bec. Les mêmes la permet tout faire élargissement. Parce que l'offre une coupe tuyau, les pour accorder, il faut qu'on ait élargi. Même si vous avez un tuyau K avec un tuyau 5-16, ça décadit yon mâle, yon femelle. Eh bien, depuis que tu as coupé, la bouche li vient rétrécir. Eh bien, il faut qu'on ait élargi pour ça qui. Pipiti a qu'à entrer dans ça qui pique bois. Ok? Ça, c'est une pince long nose ou bien nous carrer, une pince en permis, une pince bec long. OK. On a besoin d'un fil plug. Fil plug là lui-même, la permet tout faire ça ou elle et test direct. Ouais pas là, ça c'est un bagage spécial lié. OK. On est tout capable joindre du quoi ça, OK? Ça spécial. OK. Pour capable faire test direct sous moteur. Ou bien tout capable d'y effectuer ça relé en starting direct pour faire moteur à marcher sans pièce. Ou a besoin yon fil plug. OK? Pour capable faire moteur à partir sans pièce, pour capable faire check ground tout pour voir est-ce que moteur a s'il en choc ou bien s'il brûlé. Ou a besoin de clé ajustable. OK? Deux clés ajustables, 10 à 12 pouces. Ça c'est pour climatisation. Et pour l'on a climatisation, les wap installer climatiseur. OK, local rapport de tuyau, une pour kembe, une pour serrer. OK, on a besoin de clés ajustables, 10 à 12 pouces. On a besoin d'une boîte flowering tools. OK, boîte flowering tools. Yani, ça c'est pour l'eau dans climatisation et ou ka servir avec tout dans réfrigération. Li permet tout faire élargissement l'eau dans réfrigération, li permet tout faire flair l'eau dans climatisation pour capable raccorder tuyau. OK, ça relé boîte flowering tools. Ou a besoin yon pince rivette, ça lui-même outil ça, les pince
rivet. C'est un outil qui est très important. C'est avec pour passer tuyau. C'est lui-même qui permet tout clamser tuyau. OK? Allez, pince rivet. Le passer tuyau, le fait mettre clamser, c'est avec pour clouer rivet. OK? Ça veut dire qu'après rivet là, c'est comme si son sorte de petit clou qui est. C'est avec pour clouer et support. On a besoin d'un ruban métrique. Nous connaissons ça déjà. Depuis, c'est dans le domaine technique qui est, que ce soit c'est que c'est plomberie, l'autre corps, on a besoin d'un ruban métrique. C'est avec pour prendre mesure, soit passer tuyau en dedans, yon friseur, et bien c'est avec pour prendre mesure, pour espacer tuyau. Si vous voulez installer un climatiseur, c'est avec pour prendre mesure pour capable faire des vies pour connaître qui dimension climatiseur espace a besoin. Et c'est là que vous avez besoin d'un ruban métrique. Côté nous balguer pour nous faire étude sur ensemble vous. Vous avez besoin d'un dénideur. Ça nous capable de nos canif ou bien un dénideur pour capable dénider fil. En termes que là décalé, j'en me dis. Mais nous-mêmes, en tant que technicien, nous ne pouvons pas dire décalé, nous ne pouvons pas dire dénudé. OK. On a besoin d'un manomètre, ou bien de dire en termes anglais, gauge. OK. On a besoin d'un manomètre, ou bien de dire d'un gauge. OK. C'est soit dit manomètre ou bien dit gauge. On a besoin d'un manomètre. C'est un outil très important et très utile. C'est lui-même qui permet tout transférer réfrigérant dans le système. Nan. OK? C'est lui-même qui permet tout pour ouais si le système a un réfrigérant ou pas. OK? C'est lui-même tout qui permet tout détecter si le système a si une fuite là-dedans. OK? Manomètre. OK? Ça aussi rose. Ça aussi rose, ben carré au boyau. Ça c'est tête manomètre là. Ça c'est tête manomètre BPA. Je parle de BP, je parle de basse pression. Mais il y a qui gagne deux têtes. Ça me gagne, il gagne une seule tête. Mais il y a qui gagne deux têtes qui gagne voyant tout ça. OK. Ça a besoin quoi? On a besoin gagne une boîte douille. OK? Parce que gagne vis c'est douille lié. Gen c'est pas étoile, c'est pas Y, mais gen c'est douille qui est lié. Ou a besoin gen yon boîte douille. Comme ça. Elle dit qu'il gen 5-16, qu'il gen 4, qu'il gen 3-16. Gen tout ça, c'est douille. Ou a besoin gen yon détecteur de phase. Ça lui même lui permet tout détecter phase là. Fil phase sans que vous pas besoin de dénuder. Depuis que vous passez sous fil là, vous tout détecter ça qui phase là pour. OK, ça est un détecteur électronique. Détecteur de phase. Pour qui ça a besoin d'un détecteur de phase? C'est parce que phase là et sous overload là, c'est phase là qui va joindre overload là, neutre là va joindre relais. OK, c'est peut-être ça ou a besoin d'un détecteur de phase. On a besoin de un type électrique en dans valise en tant que technicien. Soit a besoin quoi? On a besoin de clé ça. On a besoin de clé 12, clé 8, clé 10. OK? Pour l'air ou a démonter moteur. Si gagne un petit moteur qui boule qui va changer, eh bien on a besoin de yon clé 8, yon clé 10, yon clé 12 pour capable de démonter le moteur. Ou a besoin yon petit bout de si à métaux. Pour qui ça? Ou a besoin? Ça lui même, ça c'est yon tube kété. Ça yon tube kété, c'est lui même, m'ka pa brele le tube kété ou bien m'ka pa brele le coupe tube. C'est lui même qui permet moins couper tuyau. Si par exemple, m'a changé de raye, c'est avec pour me changer de raye. Si m'a coupé yon tuyau, c'est avec pour me couper. Mais il y a un côté qui est coincé,
tube qui était à pas qu'à entrer. C'est peut-être ça, ou a bien besoin de petit bout si à métaux côté tube qui était à pas qu'à passer à, et bien pour capable faire avec petit bout si à métaux. On a besoin de flash. Flash, ça, c'est pour les travail la nuit, pour capable mettre dans la tête tout. Ok? On a besoin de flash, sans que vous n'ayez pas besoin d'appeler à tel téléphone, ni pour un monde appeler vous. Ok? On a besoin de flash dans la tête. On a besoin de pegan, Joël là. Joël là même là. On a besoin de pegan. On a besoin de lunettes de protection tout, pour le souder. Ok? On a besoin de lunettes de protection. Ça, c'est mesure de sécurité qui vous avez. Ok, le fin gain manomètre, ou a besoin gain yon tête ken. Ça c'est yon tête ken, c'est avec pour percer Gaza et puis pour capable transférer nan, et pour capable retirer nan réfrigérant pour voir by moteur. Bon moteur pour. Ok, si on fait selon les normes. Rouge là, c'est lui-même qui pourra joindre le moteur. Ça, c'est selon les normes. Bleu là. Ok? Rouge là, c'est pour l'autre tête là. Ok? Ça, c'est dans la basse. Ça, là, là, dans la basse pression. Eh bien, on va utiliser bleu là. Bleu là, c'est lui-même qui pourra joindre le moteur. Ok? Et puis, jaune là, c'est lui-même qui pourra joindre le gaz. Là. Et puis, souvent, il y a toujours gain, 3 tubes. Qui c'est un rouge, un jaune, un bleu. Mais c'est pas une question de couleur livrée. C'est pas une question de couleur. Couleur assez nommée. Ça qui est plus important, hein, c'est qui bon placer et qui ça me rajoute. Ok? Je dis, l'aime placer à gauche ou bien à droite, me rajoute moteur. Ok? Ou bien pompe vacuum. L'aime placer à gauche ou bien à droite. Mais l'aime placer en bas, me rajoute réfrigérant. Je vais joindre le réfrigérant, je vais joindre la pompe. Ok? Elle dit si je utilise la pompe vacuum, eh bien, côté qui t'a le gaz là, c'est lui-même. Ok? Attendez, côté qui t'a le gaz là, c'est lui-même qui va joindre la pompe là. Ça, c'est si je t'ai utilisé la pompe. Donc, si je fais vacuum ma pompe, eh bien, ça va joindre le système là. Ça va joindre le système là. Eh bien, ça va joindre. Pompe vacuum là pour aller là dans le système là. Mais si c'est réfrigérant qui m'a transféré dans le système là, eh bien ça va joindre moteur là, qui est bleu là, bleu va joindre moteur là, rouge là va joindre réfrigérant. Et c'est nous. Rouge là va joindre réfrigérant, ça me dit nous qui est dans mi-temps, OK, qui descend comme ça. C'est lui-même qui va joindre réfrigérant. Ça qui à droite, moyen, ok? C'est lui-même qui va joindre moteur compresseur, ok? Là, nous avons deux réfrigérants ensemble avec nous là. Nous avons deux réfrigérants ensemble avec nous là. Ça c'est un Tetken, ça c'est un autre Tetken. Tetken ça lui-même c'est pour R600A. Tetken ça c'est pour R600A. Les mêmes missions gaz qui est extrêmement inflammable, c'est ça qui fait, vous voyez gaz par là avec cil, ou bien capable de dire avec valve. Ok? Elle veut dire, on est capable de retirer le jambe, l'emfine servi ensemble avec le gaz à pas sortir. Et ça, elle a besoin encore une visile la donne. Ça, c'est en tête 600A, ça, c'est une tête R134A. Ou bien tout, on peut acheter un sentiment tout. Ça c'est un gaz R134A, ça c'est un gaz R600A. Gaz ça lui-même c'est un gaz qui est extrêmement inflammable en cas de brandifé. Ça lui-même n'est pas inflammable. OK? Mais gaz ça pile lourd que gaz ça. Gaz ça pile léger tant qu'on propane, gaz ça lui-même il pile. OK. Et ça encore, OK? On a besoin d'un pince coupant. Est-ce que pourtant on n'a pas capable de faire ensemble? Ok, nous campions là. Je dis merci. Je dis merci à vous-même qui t'avez regardé, qui t'avez suivi la vidéo jusqu'à la fin.
Ok, n'apprends encore pour l'autre vidéo.